Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 10 mars 2024. Elles sont à l'honneur depuis vendredi. Le vendredi 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits des femmes. C'est une occasion pour les gouvernants de marquer une pause pour évaluer l'impact de l'efficacité de leurs actions et leur politique visant à assurer le plein épanouissement de la femme. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème retenu pour la célébration de cette année. Au Bénin, quelles sont les avancées en depuis quelques années pour faire de la femme un maillon de développement? Nous ferons le débat avec Alimatou Badaro. Elle est la présidente de l'Organisation des femmes républicaines. Avec elle, nous parlerons également politique, notamment la relecture du code électoral intervenu à l'Assemblée nationale. Juste après la revue de presse hebdomadaire de Assiong Mokani Assiongwa, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité nationale. Exercice qu'assure ce dimanche Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Ses analyses sur un certain nombre de sujets que nous avons retenus sont à suivre. Et enfin, dans le dernier rendez-vous de cette émission, nous allons nous détendre quelque peu avec notre artiste de la semaine. Naxo sera avec nous sur ce plateau. Il évolue dans l'afro-pop, également dans la road music. Faux Secoué, c'est sa dernière signature que nous allons découvrir au cours de notre entretien. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'il sonne 13h. Au Bénin, si vous êtes prêts, eh bien, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, 29e édition de la célébration au Bénin de la Journée internationale des droits de la femme, le personnel féminin, comme vous pouvez le voir donc sur ces images du ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale, n'est pas resté en marge de cette célébration. On va en parler dans un instant. On parlera également de la relecture du code électoral intervenu le mardi 5 mars 2024 à l'Assemblée nationale. Le député Nathande Aké de l'Union progressiste de Le Renouveau a apporté des clarifications quant à la pertinence des modifications introduites dans cette loi électorale. Ces explications sont à suivre. À suivre également le point de la conférence organisée par le groupe de réflexion alternative et perspective ce samedi 9 mars 2024. C'est sur le thème langage et emprise sociétale. Plusieurs communications ont été développées à cet effet. C'était à l'université d'Abomey-Calavi. Voilà, bienvenue dans le grand format. On démarre avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme par la communauté internationale. Au Bénin, nous sommes à la 29e édition. À cet effet, le personnel féminin du ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale n'est pas resté en marge de cette célébration. Elle a marqué d'une pierre blanche cette journée à travers des réflexions. C'était au Palais des Congrès de Cotonou en présence du ministre d'État Ablaye Biyocane. Le point est signé, Oulette Tiano. Des prières chrétiennes et musulmanes sont faites ici à l'entame de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme par le personnel féminin du ministère du Développement. Une journée qui vise à rendre hommage aux femmes et à faire le bilan de leur situation dans le monde et au Bénin. Monsieur le ministre d'État Ablaye Biyocane est résolument engagé à garantir l'épanouissement et l'efficacité de tout le personnel en général et des femmes en particulier, car convaincues de leur capacité à être de très bonnes responsables. C'est pourquoi il a procédé à la promotion de plusieurs femmes à des postes stratégiques de responsabilité. Nous lui en sommes gagnés. En cette occasion solennelle, je voudrais rendre hommage aux femmes du ministère qui s'illustrent par leur leadership aux côtés des hommes pour le développement de notre cher pays, le Bénin. Le thème de cette édition du 8 mars 2024, Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, donne l'occasion au ministre d'État de parler de ce qui est fait dans son département, mais également au Bénin en faveur des femmes et de la promotion de leurs droits. Pour lui, le gouvernement met un projecteur spécial sur la femme béninoise, non seulement pour l'intérêt des femmes, mais aussi de toute la population et du pays. Ce thème, effectivement, nous interpelle tous parce qu'il est important que des actions soient menées
de manière continue et même accélérée pour améliorer les conditions de vie des filles et des femmes dans notre pays. Au Bénin, plusieurs actions ont été menées en faveur de la femme et se poursuivent. Il y a donc des actions partout dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine social. Au ministère du Développement, des efforts sont faits pour la promotion des femmes. Au cours de cette célébration, des cadeaux offerts par l'autorité ont été remis à quelques femmes sélectionnées. Mon souhait est de promouvoir davantage de femmes à des postes de responsabilité dans toutes les directions du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Mais vous devrez toutes œuvrer afin que ce souhait se concrétise. Je vous invite donc à travailler à l'émergence et à rester solidaires sur tous les plans afin de mériter cette confiance que chacun de nous doit mettre en vous. Autant que vous êtes, vos mamans sont au village. Vous devez vous battre pour que la femme du village ne souffre plus pour avoir de l'eau potable. Une communication sur le thème de l'année est animée lors de cette journée et le deuxième sur le cancer du col de l'utérus. C'est la 21e célébration de la GIF au ministère du Développement. Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Au-delà des communications, des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, de l'hépatite, de la glycémie à jeun, de dons de sang et une action sociale. Et toujours au palais des congrès de Cotonou, le forum national sur les investissements des femmes au profit de ces dernières qui s'y déroulait depuis jeudi a pris fin le vendredi 8 mars. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec l'Institut national de la femme. Ces assises qui ont mobilisé une panoplie d'autorités et partenaires ont permis de prendre de nouvelles recommandations afin d'accélérer les investissements en faveur des femmes béninoises. On fait le point avec Ingrid Day. Citoyens, cadres ou encore partenaires, ces participants sont désormais mieux informés sur les différentes actions majeures menées par le gouvernement dans tous les secteurs en faveur des femmes. Ceci grâce à ce panel ministériel qui met un terme à ce forum national sur les investissements au profit des femmes et du genre. De ces assises sont issues plusieurs recommandations présentées aux participants. Pour accélérer le rythme des investissements et honorer les rendez-vous de reddition de comptes en 2026 et en 2030, vous avez enfin proposé quelques pistes en formulant des recommandations dont je me permets de retenir la quintessence ainsi qu'il suit. Accélérer la phase pilote de la mise en œuvre de la budgétisation sensible aux gens afin de la généraliser à l'ensemble des ministères et institutions de l'État pour davantage prendre en compte, dans une logique pyramidale, les besoins des hommes et des femmes dans le processus de programmation, de budgétisation, d'exécution et de suivi et évaluation des programmes de l'État. Pensé et organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en collaboration avec l'Institut national de la femme, ce grand rendez-vous a pour objectif de corriger les imperfections qui résistent aux réformes entreprises par le gouvernement pour l'épanouissement des femmes. Ont également alimenté et enrichi les débats plusieurs partenaires techniques et financiers qui réitèrent une fois encore leur engagement à faire respecter davantage les droits des femmes au Bénin. À l'issue donc du présent forum de deux jours, nos partenaires techniques et financiers, membres du groupe thématique genre et protection sociale, par ma voix, promettons ici de renforcer notre appui conjoint au plaidoyer en faveur de cette cause noble qu'est l'investissement dans les femmes, pour que la prise en compte des recommandations de ce forum puisse être aussi une réalité. Pour une mise en œuvre effective des recommandations, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance promet de prendre des mesures pour concrétiser l'accélération des investissements souhaités.
Célébration de la journée internationale des droits de la femme, toujours cette fois-ci, nous sommes avec l'organisation cohésienne Direct Aid qui n'a pas voulu rester à marge de cette célébration. Elle a à cet effet honoré ces femmes dans la soirée du vendredi 8 mars à son siège à Figueroa. C'est ici à Cotonou. Reportage. L'organisation cohésienne au Bénin a voulu marquer d'un cachet spécial cette édition 2024 de la journée internationale des droits de la femme. C'est dans cette optique que ces femmes se sont rassemblées dans les locaux de l'organisation pour commémorer le jour à elles dédié. C'est ainsi d'exprimer particulièrement ma reconnaissance et ma gratitude à l'ensemble de notre personnel féminin qui exerce ses fonctions avec succès et dévouement, parfois dans les circonstances difficiles. J'ai également une forte pensée à l'endroit des épouses et des mères de notre personnel masculin. À l'occasion de cette célébration, les 6 dernières femmes qui ont accouché dans le centre hospitalier de Direct Aid ont bénéficié chacune d'un lot de trousseaux. L'hôpital qui fait ça, moi je suis tellement contente que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne plus que ça. Et le travail, ça va évoluer plus que ça aussi. En tant que femme, je voudrais remercier et féliciter mes sœurs pour leur dévouement au travail. Monsieur le représentant résident, monsieur le directeur des centres, soyez convaincus que toutes les femmes ici présentes sont déterminées. L'heure n'était pas uniquement aux réjouissances et aux cadeaux. Les femmes ont également eu droit à une communication sur le thème central de la journée, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Accompagner ces femmes-là, c'est en quelque sorte les amener à renchérir leurs connaissances, leurs compétences, qui pourraient vraiment les amener à poser des actions plus justes et qui pourraient également les aider à développer en quelque sorte leur leadership féminin. La femme aux mille idées, c'est nous. L'incontournable, c'est nous. Le beau milieu, c'est nous. Une nation ne peut se faire jamais sans la femme. Ça commence à la maison, ça commence par la bravoure, ça commence par l'honnêteté, ça commence par la prise en charge de soi-même, ça commence par l'estime de soi-même pour donner l'éducation à nos enfants, pour que demain, notre avenir soit meilleur. Et pour ce faire, il faudrait qu'on mette les femmes dans les conditions optimales pour que la pour que cela soit. Récital poétique, prestations des enfants, chants et danses ont meublé cette journée du 8 mars au Direct Aid. C'était en présence d'un parterre d'autorités politico-administratives. Autre sujet de l'actualité, je l'avais annoncé après l'échec de la révision de la Constitution, le code électoral a subi des modifications mardi dernier à l'Assemblée nationale pendant que l'opposition crie à l'exclusion des élections de 2026. La majorité parlementaire, elle, soutient le contraire. Selon elle, ce code électoral est loin d'être exclusif dans ses amendements nouveaux. Il sécurise plutôt chacun donc, des partis politiques. On va suivre les explications de l'honorable Natonde Aké, président du groupe parlementaire l'Union progressiste Le Renouveau. Il n'a pas été mis fin au multipartisme intégral retenu par la conférence nationale. Mais il y a des conditions désormais pour être vraiment continuer à exister comme parti politique. Il y a des conditions pour pouvoir envoyer des élus dans nos organes de gouvernance locale et des élus à l'Assemblée nationale également. Avant, c'était 10% au plan national. Mais vous savez bien que pour obtenir 10% au plan national, on peut rester dans le seul département de l'Atlantique. Puisque l'Atlantique a elle seule, le département de l'Atlantique a lui seul, compte plus de 10% des voix, pratiquement 15%. Et donc, un parti qui est prépondérant dans ce département, c'est un exemple que je donne, comme tant d'autres, peut, bien entendu, obtenir les 10%. Mais nous ne voulons plus ce genre de parti dans notre pays, des partis qui n'ont d'influence qu'au niveau régional ou qu'au niveau local. Un parti politique doit avoir une envergure nationale pour pouvoir espérer gérer. Il y a aussi des assouplissements, puisqu'on est allé à une diminution de la caution qu'il faut payer pour être candidat aux élections présidentielles. Cette caution passe désormais de 50 millions à 25 millions. Avant même le vote du test, il n'y avait que trois partis qui peuvent
présenter des candidats aux élections présidentielles. Ou bien, les candidats, même s'ils ne sont pas issus de ces trois partis, sont obligés de se faire désigner par ces trois partis ou d'être parrainés par les élus de ces trois partis. Après le vote, les trois partis restent encore capables de dégager des candidats. Donc, je ne sais pas là où se situe l'exclusion dont on parle. La loi telle que vous voyez, il y a beaucoup de contributions des démocrates qui se trouvent à l'intérieur. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a divisé la caution pour aller au présidentiel par deux. C'est sur proposition des démocrates et à travers leur proposition de loi que nous avons pioché ça. Et d'autres corrections qu'il y a eu au niveau du dispositif électoral viennent du test proposé par les démocrates. Voilà donc pour ces explications de l'honorable Natonde Aké du groupe parlementaire Union Progressiste, le Renouveau. Autre chose, à présent, le groupe de réflexion alternative et perspective a organisé ce samedi une conférence publique à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi, langage et empreinte sociétale. C'est le thème central de cette conférence faite de diverses communications. On va faire le point avec Clément Tchadé et Elvis Tounoukouin. Pour une nouvelle fois, ces universitaires et acteurs de la vie sociopolitique et les étudiants se retrouvent pour une conférence scientifique. Avec un thème évocateur intitulé « Langage et emprise sociétale », le groupe de réflexion alternative et perspective convie la communauté universitaire afin d'éclairer sur les dimensions du langage et surtout son importance pour le développement. Je voudrais vous dire que tenir le langage, c'est une nécessité dans la société. C'est une nécessité pour que l'on puisse développer davantage une nation. Ce langage, vous allez voir, on va le décliner dans tous les sens ce matin pour vous. Et dans une société, on en a besoin. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle un langage. Il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on explique des choses. Mais en réalité, le langage n'est pas forcément commun à un moment donné. Et un peu comme pour honorer la gente féminine, en ce mois de mars, deux femmes ont présenté le fruit de leurs réflexions respectivement sur le langage de la femme et le langage militant pour éveiller et sensibiliser. Il n'y a pas un langage particulier pour la femme à sa naissance. Et comme le dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Le langage de la femme impacte la société d'abord négativement. Parce que quand on dit la femme, elle fait du verbiage, ça veut dire concrètement qu'elle ne peut pas garder le secret, y compris le secret professionnel. Ce qui fait que du coup, dans le cercle familial, son intervention est limitée. Et même en société, dans le milieu professionnel. Les trois autres communications portent sur le langage juridique, le langage politique et le langage des réseaux sociaux pour discipliner. Les auteurs face au public ont tous convaincu avec leur méthode explicative et les éléments théoriques convoqués pour analyser. Le langage de la gouvernance au Bénin, c'est un langage clair. C'est un langage constitutif de la préoccupation, des préoccupations, je dirais des aspirations des populations. Nous nous sommes beaucoup plus adressés à nos jeunes qui se consacrent aujourd'hui aux activités sur les réseaux sociaux ou qui trouvent les réseaux sociaux comme les canaux les plus privilégiés pour faire passer leur communication. Et ce faisant, ils sont parfois passifs, donc ils arrivent à commettre certaines infractions. La dernière partie de ce numéro de mars de la conférence du groupe de réflexion alternative et perspective a été consacrée au débat entre l'auditoire et l'ensemble des communicateurs. Des explications sont apportées sur place pour édifier davantage sur le langage et ses implications. Et pour boucler la première partie du grand format, sachez que dans le Bono, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en session ordinaire la semaine dernière. Une rencontre statutaire, la première de l'année 2024 consacrée à l'étude des questions liées à la vie et au fonctionnement du département du Bono. Retour ici sur cette session avec Narcissa Lossé et Florando. Le foncier, le tourisme et l'eau potable à fournir aux populations rurales occupent une place de choix dans l'agenda des membres du conseil départemental.
de concertation de coordination du MONO pour cette première session ordinaire de l'année. D'abord, la réforme liée à l'approvisionnement en eau potable en milieu rural tâtonne dans sa mise en œuvre et génère la colère des populations. On sort d'une situation, un peu difficile. Un peu difficile au niveau des installations dont on a hérité. Ces installations nécessitent une vitalité en termes de réhabilitation, en termes de renforcement. Donc tout ce programme ne peut pas se faire en un jour. Donc il y a toute une phase préparatoire qui certainement est longue et pendant laquelle encore les populations vont souffrir. Mais dès lors où elle sera terminée, la mise en œuvre fera que ça sera un vieux souvenir, ces souffrances-là, et on ira tous de l'avant. Nous sommes sortis de cet échange satisfaits parce qu'on a pu noter quand même qu'au-delà de la volonté du gouvernement, beaucoup de moyens sont déployés pour que d'ici 2027, voire 2030, la situation de couverture en eau potable et de fourniture en eau potable au niveau de notre département, mais également au niveau national, soit à 100%. Ensuite, le foncier avec des opérations de relance des lotissements dans les communes. Des opérations qui avaient été arrêtées suite à la suspension de certains experts géomètres, 4 au total. Et toutes les communes ont pratiquement commencé par relancer les opérations de lotissement. Les lotissements qui étaient en temps et annulés, on a pu repêcher quelques-uns. Donc les quatre qui sont suspendus pour un an, on a seulement 2 communes qui sont concernées. Et c'est à peine 2 lotissements. Donc de manière globale, on peut dire que les activités font bon train. Derrière, les modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire de la confirmation cadastrale de droits fonciers et de la mise à jour du cadastre national ont été présentés aux participants. Enfin, le tourisme, le directeur départemental a fait l'état des lieux tout en présentant les enjeux du secteur dans le département. L'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour que les potentialités du département du Mono en termes touristiques soient valorisées et pour bénéficier de tout le surplus ou de tout le drainage de tourisme que Ouida fait chaque année et fera désormais chaque année. En somme, participer à l'effort national de promotion du tourisme. Cette session, elle, reste l'une des plus grosses instances de décision à l'échelle départementale. Elle répond surtout aux exigences du code de l'administration territoriale. Et c'est sur ce reportage de Nassis à l'OCR que se referme la première partie du grand format. C'était donc le point de l'actualité chez vous. Dans la suite, on va parler de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au Bénin. Quelle avancée en matière de protection et de promotion donc, des droits de la femme. Nous en parlerons avec Alimatou Badarou. Elle est la présidente de l'Organisation des femmes républicaines. Mais avant, nous allons suivre Actu sur le net, réalisé par Florence Boussa. Démarrons par cette actualité brûlante au Bénin. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté mardi 6 février 2024 par 79 voix pour, 28 contre et une abstention la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre portant code électoral en République du Bénin. Selon les informations, les conditions fixées pour toute candidature à la présidentielle ont notamment été corsés. Nombreux sont les internautes qui ne sont pas restés indifférents à cette actualité. Ce nouveau code fait réfléchir trop, nul ne sera épargné, quelle que soit la classe politique. Tant pis pour la mouvance, tout simplement, cet internaute a écrit. Apparemment, on n'a plus de boussole, on fait ce qu'on veut, autant voulu. Cette classe politique doit complètement disparaître et on reprend à zéro. Ce n'est pas la peine de tisser une nouvelle corde à cette corde complètement pourrie. Bien avant ce vote de modification du code électoral, les députés de la 9e législature ont tenu une séance nocturne le vendredi 1er au samedi 2 mars qui a vu le projet de loi portant révision de la Constitution porté par le député du Bloc républicain Hassan Seibou rejeté. Après avoir passé, bien sûr, avec succès l'étape de la commission des lois, les internautes ont sauté sur cette actualité, avalanche de réactions justes au lendemain
lendemain de ce rejet. C'est le cas de ces Facebookers qui écrivent sur leur page. Rejet de la procédure d'urgence de la révision de la Constitution. Talon met ses détracteurs dans la sauce et utilise une stratégie pour endormir le peuple. Révision de la Constitution, rejet du rapport de la Commission des lois. Joseph Diogbenou, source d'échec et de honte pour Talon. Également sur la page Facebook de la télévision nationale, nombreux sont ces internautes qui ont réagi en ces termes. Le président l'a dit, je ne veux pas qu'on touche une seule virgule de la Constitution. Le vote ne surprend pas. Bonne nouvelle pour la nation béninoise, regard sur d'autres choses plus importantes pour le peuple béninois. Désormais, nous pouvons faire confiance à nos parlementaires. Ils ont gagné ce pari. Le peuple vous en remercie. Actu sur le net, c'est également les vidéos qui font buzz. Nous avons sélectionné quelques-unes pour vous. Tu as pas ton casque et tu es là, tu me suis. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille.
Le 8 mars, comme le reste du mois, tous les regards sont tournés vers elles. Elles sont à l'honneur donc dans toutes les contrées du monde. La Journée internationale des droits de la femme braque les projecteurs sur elles afin d'évaluer l'impact des actions en leur faveur. Au Bénin, la femme jouit-elle pleinement de ses droits? Qu'est-ce qui a été fait pour donc par les gouvernants successifs en leur faveur? Pour répondre à ces questions, nous avons sur ce plateau la présidente de l'Organisation des femmes républicaines, Madame Halimatou Badarou. Bonjour. Bonjour Monsieur Boukari. Alors bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci. Alors beaucoup. Au niveau de votre organisation, alors comment est-ce que vous avez marqué cette célébration? Merci. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de célébrer la femme, dont la femme béninoise. En effet, hier on était à Porto Novo, l'Organisation des femmes républicaines dont je suis la coordonnatrice nationale, a célébré la femme à travers une certaine thématique. La femme en politique, élevons la voix et mobilisons-nous pour influencer le changement. D'accord. De quelle façon vous comptez élever la voix, justement? Merci. En fait, disons que de plus en plus, on a fait le point, on a vu qu'il y a beaucoup d'améliorations en matière, il y a pas mal de progrès dans cette lutte pour l'amélioration, pour l'équité que recherchent les femmes. Et donc, on a la chance aussi d'avoir un gouvernement qui fait beaucoup pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Et donc, on s'est dit qu'il faut saisir, c'est une bonne opportunité, et donc profiter de ce climat pour demander davantage. Et quand nous demandons davantage, ce n'est pas que nous demandons tout de suite l'égalité, c'est-à-dire nous demandons ce qui nous est dû. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits, mais tout n'est pas encore fait. Et les assises d'hier à Porto Novo nous ont permis de faire le bilan des acquis avec le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon. Ça a été une occasion pour nous de rappeler tout ce qui est fait en matière de la promotion de la femme. On a vu des femmes prendre des responsabilités. Maintenant, récemment, une femme à la Haute Cour de justice. On a vu une femme à la Cour des comptes. Nous avons la vice-présidente qui est une femme. Nous avons désormais, avec la discrimination positive, 8 femmes à l'Assemblée nationale et d'autres encore. Hein? Et je sais que même dans le rang des officiers au niveau de l'armée, il a été exigé qu'on voit plus de femmes dans les rangs. Et vous avez vu que désormais dans les défilés, nous voyons beaucoup de femmes défiler, très belles, en treillis, et ça fait plaisir. D'accord. Donc c'est tout ça que nous avons obtenu. Et puis le renforcement de l'Institut national de la femme qui peut s'auto-saisir en cas de violence faite aux femmes. Et puis, il y a aussi des cellules de crise qui sont là pour prendre en charge ces femmes-là et les aider à leur réhabilitation. Il y a même des centres qui sont là quand, par exemple, des jeunes filles ou des femmes sont violées. Il y a des magistrats, des gens qui sont disponibles, qui donnent des coups de main. Vraiment, c'est des révolutions, c'est de bonnes choses pour permettre aux femmes d'être mentalement à l'aise. Et puis, des efforts incroyables, des investissements pour maintenir les jeunes filles à l'école, la gratuité de l'école et le projet SWED. Tout ce qu'on fait, il y a pas mal, si je dois me mettre à citer cela, il y a pas mal de choses qui se font. Donc, notre gouvernement s'est attelé déjà à investir dans la femme avant même que cette thématique mondiale qui demande d'accélérer le rythme. Justement, comment vous comprenez cette thématique retenue pour cette célébration? Oui, nous la comprenons. C'est-à-dire on doit faire mieux que ce qui est en train d'être fait. Oui, parce que malgré tous ces efforts, on n'a pas encore atteint, puisqu'il s'agit d'un cas qui date d'au moins un siècle. Mm-hmm. C'est-à-dire, si on devait rattraper les inégalités entre les hommes et les femmes, parce que nous sommes égaux devant la loi, mm-hmm. et qu'on ne nous donne pas ce qui nous est dû, il faut 100 ans d'investissement. Et donc, on se rend compte que malgré les efforts qui sont faits, ça ne bouge pas. Et donc, nous voudrions accélérer. Il fut un temps, bon, on se disait que c'est 30%. Maintenant, nous voulons les 50%. Et c'est pour ça que nous élevons la voix pour dire, parce que nous sommes conscients de nos forces, de nos énergies. La femme est la mère de l'humanité. Elle donne la vie. Elle gère les foyers. Et elle fait les mêmes choses que font les hommes. Ça veut dire que nous avons plus de capacité de disponibilité que les hommes pour faire les mêmes choses sur le même terrain. Et ces énergies positives que nous dégageons, nous voudrons bien qu'on mette ça au profit du développement, puisqu'on se rend compte que malgré toutes ces énergies, les femmes sont toujours dans la vulnérabilité. Ce sont les femmes qui, c'est comme si on dit la pauvreté est féminine, les femmes sont toujours les plus souffrantes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, il faut accélérer le rythme. Là où ça, donc, puisqu'il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup d'engagements aussi internationaux qu'on prend, mais qu'on ne respecte pas. Et donc, nous avons décidé de lever la voix. Ça veut dire que désormais, nous allons commencer par nous assurer que les engagements que nous prenons à l'extérieur, est-ce que c'est respecté? Ça fait partie des missions que nous sommes données. Et donc, c'est notre façon aussi d'élever la voix. Et lever la voix aussi pour nous, c'est en fait nous former davantage, c'est-à-dire là où nous savons qu'il faut combler, qu'on n'a pas assez de performance, on va travailler à cela afin d'avoir les mêmes chances pour que l'équité règne d'abord et après demander l'égalité. D'accord, on va dire que la lutte pour la représentativité des femmes dans les instances de décision est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, oui. À l'Assemblée nationale, nous avons, vous l'avez dit, beaucoup de femmes. Ça fait déjà un an que la 9e législature a été installée. Est-ce que vous avez l'impression que ces femmes ont véritablement impacté les débats parlementaires? Bien sûr. Ces femmes ont impacté les débats parlementaires parce que vous avez vu le show et les votes. C'était 28 femmes ont participé au débat et elles ont porté leur vote. C'est juste que vous pouvez avoir l'impression que, bon, quand il y a les caméras, on ne les voit pas en ligne de mire. Bon, parfois on se demande si ce n'est pas fait à dessein parce que nous, les féministes, on dit aux femmes. Est-ce qu'il y en a qui prennent la parole, effectivement? Bien sûr, elles prennent la parole, mais parfois on a l'impression que c'est fait à dessein parce qu'on se dit que comme la femme, c'est derrière le rideau, on ne les passe pas en premier plan, on écoute d'abord les hommes avant de leur passer la parole, sinon elles participent vraiment au débat. Mais nous avons compris, c'est pour ça en élevant la voix aussi, nous sommes en train de dire à nos femmes désormais, même si vous n'avez rien à dire, vous pouvez être la première à lever la main pour qu'on sache que vous êtes là. Parce que parfois, souvent, on a tendance à dire que bon, l'homme d'abord, parce qu'à la maison, c'est lui le chef de famille. Donc, ces postures-là ont tendance à agir sur nous. Maintenant, c'est pour ça que nous sommes en train de. On voulait élever la voix, on va attirer les femmes pour leur dire non, on va arrêter. Là, sur le débat, sur la scène, on n'est pas dans les foyers, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Il s'agit de ça. D'accord. Alors, au-delà même des droits de la femme, il y a la question de l'autonomisation financière, parce que c'est une question fondamentale. Dans ce sens, est-ce que vous pensez que depuis quelques années, les lignes ont véritablement bougé? Oui, on peut dire que les lignes ont véritablement bougé. Il y a beaucoup de projets dans le monde entier pour l'autonomisation des femmes. C'est vrai que nous n'avons pas encore les résultats. Je vais encore me rapprocher du cas que je connais, que je maîtrise le mieux, qui est le cas de mon pays, où nous avons quand même pas mal de réformes en cours. Nous avons eu la microfinance à l'AFIA, le microcrédit nouvelle génération, qui permet aux femmes les plus vulnérables de pouvoir quand même se refinancer pour leurs petites activités génératrices de revenus. Et donc, il y a des milliards qui sont mis à la disponibilité de ces femmes-là. L'État s'emploie à doter davantage ce portefeuille du Fonds national de microfinance pour permettre aux femmes d'avoir accès. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a la facilité, l'accessibilité, et c'est un grand effort. Et puis, quand vous allez au niveau des artisans, il y a des fonds qui sont en place pour soulager, parce que dans ces milieux-là, vous voyez, c'est toujours les femmes qui sont nombreuses. Et au Bénin, vous allez voir que nous sommes allés plus loin. Nous avons décidé de mettre les femmes dans de bonnes conditions dans leurs activités. On a lancé 35 marchés. Les marchés régionaux. Oui, oui. Et donc, nous avons 35 marchés où les femmes, et ces marchés seront modernes. Quand j'ai entendu notre ministre Même si le coût d'acquisition de place n'est pas forcément avantageux pour les femmes. Ah, qu'est-ce que vous en savez? Vous avez déjà le prix, vous? Non, pas encore. Ah donc, voilà. Vous savez que ce sont nos femmes. On connaît leur situation. Tout ça a été fait pour les mettre à l'aise. On ne peut pas leur mettre des conditions pour les étouffer. Au contraire, on va leur permettre d'aller de travailler dans de bonnes conditions. Et j'ai entendu dire que même la femme qui se promène avec ses étalages sur la tête... dans le marché, sera pris en compte désormais, va jouer d'une assurance maladie. Il s'agit de ça. Donc, nous allons avoir des marchés modernes où toutes les femmes seront enregistrées. On va avoir un fichier pour les suivre, leur mettre à disposition l'assurance maladie, ce dont elles ne bénéficiaient pas. Donc, c'est pour vous dire qu'on a de grandes ambitions pour nos femmes en matière d'autonomisation des femmes. De grandes choses sont en train d'être faites au Bénin. Il faut le reconnaître et le saluer. Justement, vous avez cité, on va dire, quelques actions donc menées par le gouvernement en place. Aujourd'hui, quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez beaucoup plus, donc beaucoup plus d'investissement de la part du gouvernement, notamment du président? Oui, disons que tout ce qui est en train de faire à saluer, je veux demander au président d'accélérer le rythme, d'investir davantage sur les femmes, parce que nous avons vu que tout n'est pas encore
Je sais que nous avons des femmes dans nos contrées qui attendent aussi leur marché moderne. C'est anciens marchés qui sont lancés. Je vais espérer que les autres complémentaires par rapport aux 77 communes seront lancés. Nous avons des femmes qui nous appellent souvent. On leur dit que non, que c'est en programme. Ils seront pris en compte dans les autres phases. Donc, je voudrais rappeler que cela se fasse. Et je voudrais demander au gouvernement aussi de nous permettre, par rapport à la discrimination positive, de permettre aux femmes d'être mieux représentées dans les communes. Ainsi donc, pour les élections communales, nous aurons plus de femmes. Un peu comme on a vu, le paysage de l'Assemblée nationale a changé avec cette discrimination positive. Oui. Qu'on puisse faire la même chose au niveau des élections communales. Pourquoi pas? Parce que plus nous serons dans la scène politique, plus nous serons à des postes de décision, plus nous allons pouvoir accompagner le gouvernement et influencer le changement. Comme ça, on nous prendra plus en compte puisque nous serons aux postes de décision. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas que nous voulons prendre la place des hommes. Voilà, donc nous réclamons ce qui nous est dit. D'accord. Donc il s'agit de ça. D'accord. Les femmes rurales qui se battent chaque jour pour tenir leur foyer, de quelle façon doivent-elles célébrer cette journée? Ah, les femmes rurales, elles ont compris. Vous savez, aujourd'hui, nous avons maintenant le développement du numérique. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous rappeler que nos assises hier ont contribué à montrer à nos femmes qui sont venues des régions l'importance du numérique pour leur développement, pour leur émancipation. Donc aujourd'hui, ces femmes-là, nous avons des stratégies où nous avons décidé de faire des webinaires pour les mettre en relation avec les milieux urbains et échanger sur les réalités. Des milieux urbains. Donc ces femmes dans le monde rural ne sont plus isolées. Et je sais que le ministère des Affaires sociales aussi fait beaucoup de choses dans les milieux et défavorisés. Il y a beaucoup d'organisations aussi de femmes de la société civile qui travaillent au renforcement des capacités de nos femmes dans leur langue locale. Et donc c'est pour vous dire que ne pensez pas que parce que les femmes sont au village, elles ne comprennent rien. Elles sont connectées. Elles sont très connectées, elles comprennent beaucoup de choses. On essaie de préparer leur mental. Mais en même temps, en y allant, on se rend compte quand même qu'il y a encore des violences qui persistent. Il y a encore des difficultés. Et donc nous, on dit aux femmes de ne pas avoir peur. L'Institut national de la femme est là. Il y a des numéros verts parce que il nous revient dans des zones, même que ce soit à Paracourt, qu'il y a encore beaucoup de violences qui sont exercées sur les femmes au foyer. Et donc, nous voudrons inviter aussi le gouvernement à créer plus de centres de CPS, de centres de promotion sociale. Parce que c'est dans ces CPS-là que ces femmes-là peuvent trouver de l'écoute quand elles sont enceintes, que leur mari ne veut pas prendre la responsabilité de les supporter, enfin de les assister avec la grossesse, qu'elles sont laissées pour compte, elles peuvent se rapprocher de ces centres de promotion sociale. Et donc, il n'y en a pas assez, nous voulons demander au gouvernement d'augmenter ces centres de promotion sociale. Et je veux aussi attirer l'attention du gouvernement pour dire que le code de la famille en ce moment n'arrange pas les femmes monoparentales. Les femmes sont monoparentales, elles sont dans les rues. Et tous les investissements que nous faisons en matière de microcrédit pour soutenir ces femmes, pour qu'elles puissent entreprendre correctement, elles sont obligées d'investir ça sur les enfants parce qu'elles sont seules à porter la charge qui a été enclenchée à deux. Donc, il faut que le gouvernement du Bénin commence par réfléchir à ça, qu'on réfléchisse sérieusement pour protéger la mère et l'enfant. D'accord. Les sujets qui occupent l'actualité politique en ce moment, c'est la révision de la Constitution, la relecture du code électoral. Le premier a été initié par le député Hassan Seibou, donc de votre parti, le Bloc républicain. Au sein de l'Organisation des femmes républicaines, comment est-ce que vous avez suivi les tractations de la révision de la Constitution? Quel rôle avez-vous joué justement? Ah, nous avons joué un rôle très actif. Vous savez, je suis membre du bureau exécutif national. Oui. Nous avons fait le débat et nous avons soutenu. Moi, particulièrement, j'étais contente parce que c'était une bonne occasion pour nous. Puisque je vous parlais à l'instant du code de la famille au Bénin. Parce que le Bénin est un pays laïque. Et donc, quand on regarde le code de la famille tel qu'il se présente aujourd'hui, il crée plus de problèmes dans certaines couches sociales. Et donc, quand on ne regarde pas ça de près, il y en a qui pensent qu'on fait l'apologie de la polygamie, ce qui n'est pas le cas. Parce que moi, je suis femme musulmane, c'est vrai, j'ai été éduquée par rapport à la polygamie, on est préparé. Mais avant l'islam aussi, nos religions, endogène. Les cultes endogènes, nos ancêtres étaient des familles polygames. Mm-hmm. Il y a des cours où vous ne savez même pas,
cet enfant-là est l'enfant de qui. On a eu des témoignages des gens qui sont âgés, qui ont dit qu'ils avaient déjà un certain nombre d'années avant de connaître leur maman biologique. Donc le problème ne se pose pas, il ne s'agit pas de faire la politique de quelque chose, il s'agit de regarder les valeurs de notre société et de regarder si ces lois que nous avons mises en place nous arrangent, sur quel point ça nous arrange. Nous, nous sommes sur le terrain, on est au contact des femmes. Si vous voyez 10 femmes aujourd'hui, 8 sont mères, délaissées, mais avec à chaque beaucoup d'enfants. Et elles sont tout le temps dans la souffrance. Tous les frais qu'on leur donne, ça ne marche pas. Donc nous avons trouvé que c'était une bonne opportunité de voir au niveau de la Constitution ce qu'on peut faire, parce qu'on dit que c'est l'article 26 qui nous crée ces problèmes-là. Quand on aurait pu libérer le code de la famille, dit si un homme a envie de prendre 2 ou 3 femmes, il est libre. S'il peut assumer. Et c'est ce que dit d'ailleurs la religion. La préoccupation avait été prise en compte dans le... Ah, mais j'ai parlé aux députés. Okay. Moi, j'étais content. C'est pour vous dire, quand on a dit qu'on touche la Constitution... Vous avez été déçu quand la proposition a été rejetée. Oui, parce que en fait, j'ai vu que ce n'est que les politiques qui pensent à leur carrière politique. Mais, et la femme dans la société, les autres couches de la société, il s'agit de ça. Il faut qu'on arrête de se borner au fait que quand on veut toucher la Constitution, c'est toujours le mandat. La Constitution, c'est faire pour que notre pays se porte bien, sur tous les plans, ce n'est pas que le plan politique. Donc c'était une bonne opportunité pour moi et j'avais saisi cette occasion pour parler à nos camarades députés qui étaient contents. Puisqu'ils disaient que, ah ben si ce n'est que ça, puisque c'est les hommes, si on leur permet d'avoir officiellement 3 ou 4 femmes, ils sont heureux. Mais que c'est nous-mêmes les femmes à l'époque, parce que l'article 26 pourrait laisser croire que nous voulons accéder à la polyandrie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'asseoir pour voir, pour dire que nous restons dans nos valeurs. Nous ne faisons pas l'apologie de la polyandrie, mais nous voulons que la situation des femmes monoparentales soit prise en compte pour qu'on évite de mettre les femmes dans une situation de misère. N'importe qui peut venir, il engrosse une femme, il laisse les enfants après. C'est le dernier de ses soucis. Vous n'allez pas voir ça dans les sociétés développées. Et donc, moi, je voulais vraiment attirer l'attention de nos autorités. Il y a les députés de la majorité parlementaire qui ont voté contre donc, cette constitution. Il y en a même donc de votre parti, le Bloc républicain. Oui, bon, c'est légitime, c'est leur droit. Mm-hmm. S'ils ne sont pas convaincus de l'opportunité de l'ouverture, de toucher la Constitution, c'est leur droit. Mais seulement, ils ne doivent pas regarder on ne doit plus regarder nos égaux. Il faut qu'on regarde l'intérêt général. Donc, c'est vrai, c'est dommage, mais bon, Dieu merci, c'est la force de notre démocratie. Ça, c'est la preuve que vraiment chacun est libre, chacun connaît ses droits et ses limites et que notre pays se porte bien, notre démocratie se porte bien. Et puis le code électoral qui a été modifié la dernière fois, les modifications apportées à cette loi électorale, est-ce qu'au niveau des femmes, donc républicaines, les nouvelles dispositions vous rassurent? Oui, bien sûr. Ça nous rassure dans la mesure où l'esprit du système partisan continue d'être respecté, parce qu'il s'agit de renforcer le système partisan. J'avoue que nous avons fait les arrondissements, nous avons vulgarisé la réforme du système partisan, et juste après, nous avons vu beaucoup de partis politiques qui ont continué d'être créés. Nous avons vu des partis qui n'ont pas compris qu'il faut se mettre en groupe pour développer le Bénin. Parce que si on aspire à exercer le pouvoir d'État, il faut se mettre ensemble et être fort. On ne veut plus des partis claniques, des partis, parce que je suis fâchée, je vais créer mon parti. On ne veut plus des partis régionalistes. On ne veut plus des partis qui sont seulement fonds dans certaines circonscriptions électorales ou bien dans des arrondissements. Si vous aspirez à gérer le pouvoir d'État, vous devez pouvoir être accepté partout. Vous devez être un parti connu, vous devez avoir des militants partout. Et d'ailleurs, vous avez vu à la création des partis, selon le plan de la réforme du CM, du système partisan, il faut avoir au moins 15 membres fondateurs dans chaque commune. Oui. Donc, je crois que ce n'est que ça qu'on est en train de renforcer et que c'est une bonne chose. Désormais, nous avons avoir de grands partis. C'est vrai, c'est le multipartisme. Et voilà. Donc, du coup, je crois que c'est le jeu de la démocratie. D'accord. C'est une bonne chose. Pour la présidentielle de 2026, oui. Est-ce que le Bloc républicain envisage une candidature interne? Est-ce que les discussions ont déjà commencé au niveau du parti? Non, c'est le code électoral, la relecture, là, ce qui vient d'être fait là, vient nous conforter davantage que nous pouvons être désormais à l'aise pour désigner notre candidat. Parce que vous avez vu que récemment, il y a eu des suscitations de candidatures dans tous les sens. Et on se posait la question de savoir, mais pourquoi on a fait la réforme du système partisan? Et il y avait même des militants de nos partis aussi qui allaient faire des suscitations de candidatures. On retrouvait ça comme un genre d'indiscipline. On se retrouvait, parce que c'est comme si on revenait à 10 ans, 20 ans en arrière, vous voyez un peu. Et donc, maintenant qu'on a après maintenant la relecture du code électoral, et c'est l'occasion pour moi de saluer vraiment le courage de ces camarades, de nos camarades et des députés qui ont voté cette loi, qui ont pris en compte, en tout cas, franchement, c'est à saluer. Et donc, nous, ça nous rassure que désormais, on peut faire le débat quand l'heure viendra pour choisir le candidat. Puisque dans nos partis, nous aspirons à conquérir, gérer
le pouvoir d'État. Donc, il est normal pour nous que nous sécurisons notre environnement et que ce candidat-là vienne de notre parti. Et donc, chacun doit travailler pour ça. Et donc, c'est pour ça que ce code électoral, il faut le saluer. Et comment les suscitations de la candidature, on va dire, de Olivier Bocor, comment est-ce que ces suscitations sont-elles perçues au sein de votre parti? Bon, on n'a pas fait le débat, vous savez, on est sur des forums un peu partout, il y a des jeunes qui sont pour, il y en a qui ne sont pas pour. Mais moi, ce que je retiens seulement, c'est que la réforme du système, par exemple, a un esprit. Vous voyez, on travaille, vous rendez compte, il y a des gens qui s'échivent dans les circonscriptions électorales, qui travaillent, qui font du militantisme. Et je suis sûre, dans le bureau exécutif national, il y a des gens qui nourrissent des ambitions aussi. Maintenant, la discipline veut qu'on suive. Le mouvement, la responsabilité qu'on a pris, la fidélité, on le doit à notre parti. Parce que si vous vous rendez compte, je suis partie sur la liste de mon parti pour aller aux élections. Et pas quelle alchimie du jour au lendemain, je ne vais plus suivre mon parti et décider d'aller chercher quelqu'un pour dire que bon, voilà, puisque j'ai maintenant déjà le titre, je peux le parrainer. Vous voyez, ça frise un peu de l'indiscipline, c'est pas bien. Si on veut des partis forts, il faut qu'il y ait de la discipline. Quand notre parti va nous orienter vers telle personne pour dire que c'est ça, on y va. Vous allez suivre. Sans réfléchir, c'est tout. C'est juste qu'on ne veut pas de la pagaille, il faut faire toutes les choses dans la discipline parce que la réforme du système partisan veut des partis forts, des partis disciplinés pour pouvoir conquérir et gérer le pouvoir d'État. Parce que si ce ne sont pas des modèles de gestion, de discipline, comment on veut diriger le Bénin? Comment on veut faire réussir le Bénin? Il s'agit de ça. D'accord. Le seuil d'éligibilité des partis à l'attribution des sièges des députés qui a passé de 20%, donc qui passe désormais de 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Quand on sait qu'aux dernières élections législatives, le Bloc républicain qu'il n'a eu que 28 députés. Est-ce que ces dispositions ne vous pénalisent pas? Non, ça ne nous pénalise pas. Mm-hmm. 28 députés, ça suffit déjà, non? D'accord, c'est sûr que d'office, nous allons avoir notre candidat. Oui. Donc le problème ne se pose pas, il n'y a pas d'exclusivité. Au contraire, je trouve que c'est une bonne opportunité parce que vous savez, nous sommes à 2 ans des prochaines élections. Ça nous permet de nous mettre davantage sur le terrain, de nous mettre au travail et de comprendre que maintenant les données ont changé, que tout ce qu'on a fait, parce qu'avant on était le deuxième parti, on était dans une position, on se dit que bon, on est confortable, tout ça là. Les résultats ont montré que non, il faut vous réveiller. Et donc quand il y a des contraintes, on se lève. Mm-hmm. Les contraintes sont faites pour avoir des résultats, pour motiver. Donc moi je crois que c'est une bonne chose. Plus que jamais, chacun va travailler sérieusement dans sa circonscription électorale pour permettre à son parti de gagner. Et nous aspirons à nous mettre au travail afin de faire gagner notre parti. Et c'est ce que nous avons décidé, nous les femmes, au niveau du Bloc républicain. Nous avons lancé déjà l'appel de porte-nouveau et nous avons pris nos responsabilités. D'accord. On revient sur notre premier sujet de discussion, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. On va finir avec votre message à l'endroit de toutes ces femmes qui se battent pour d'abord se protéger soi-même et puis bénéficier de la protection donc du pouvoir central. Quel est votre message à leur endroit? Oui. Je voudrais saluer les efforts communs parce que nous, en milieu urbain, on voit ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des femmes qui souffrent en silence. J'ai une pensée pour ces femmes-là, pour leur dire de ne pas se décourager et de suivre l'actualité. Et je veux surtout solliciter la masculinité positive. Parce que vous savez, s'il y a des femmes qui sont brumées, c'est parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas compris. Et donc, il faut que les hommes laissent le complexe d'infériorité ou les instincts machos où ils pensent que parce qu'il est le chef de famille et que la femme, elle n'a pas droit à la parole et que c'est fait quelque chose pour lui porter la main dessus. Non, que c'est pas bon parce que la loi est là. La loi réprime ça, les violences faites aux femmes. Et donc, je voudrais dire aux femmes de ne pas hésiter dès qu'elles sont brimées, de trouver des centres de promotion sociale et demander aussi aux hommes qui sont à côté, qui eux ne font pas la violence, mais qui voient un autre homme en train de brimer une femme, de porter de l'aide à cette femme et d'être des modèles. Après la plainte, elles vont repartir dans leur foyer. Mais d'être là-bas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le foyer se porte bien. On dit de ne plus lever la main. En fait, ce n'est pas fait pour casser les foyers. Mm-hmm. Ces lois ne sont pas faites pour casser les foyers. Ces lois sont faites pour protéger les femmes, pour dire que vous êtes égaux devant la loi. Vous imaginez, les gens vont jusqu'à taper une femme enceinte. C'est ça qui donne la vie. C'est même des choses qui donnent de la malédiction. Et c'est pour ça que je salue notre État, qui est un État responsable. Parce que, vous savez, on ne doit pas brumer les âmes. En plus, les âmes sensibles. Parce que la colère de Dieu, ça peut ne pas être bon même pour notre pays. D'accord. Et donc, c'est pour ça que nous tous, nous avons un rôle. Nous devons nous mettre ensemble pour dire non à la maltraitance des femmes, à la maltraitance des filles, les violences faites aux filles. Et dire à ceux qui sont en train de le faire que la honte va changer de camp. Et que désormais, nous n'allons laisser plus aucune occasion pour
pour nous battre aux côtés de ces femmes qui sont brimées. Et nous avons des lits, il y a des lits vêtes et il y a des espions. Nous avons des femmes espionnes dans les arrondissements. On leur dit, si vous sentez qu'il y a quelque part, qu'il y a une femme qui souffre en silence, qu'on la maltraite, faites-nous signe. Nous, on va donner les informations à l'Institut national de la femme qui va s'auto-saisir. Donc, c'est pour dire aux femmes de garder confiance. Nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui pense aux femmes et que nous allons nous mettre ensemble et lever la voix pour demander ce qu'il nous faut afin que notre... parce que nous pensons que le président de la République, son excellence, le président Patrice Talon, il est le premier Rifoshi, c'est-à-dire le modèle de la masculinité positive, parce qu'il a fait tellement de choses au-delà de nos attentes. Vous avez vu l'Amazon, comment elle s'est riche pour célébrer la femme béninoise. Donc, c'est dit que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui nous porte, qui pense que les femmes sont des valeurs, qu'il faut les encourager. Nous-mêmes devons nous élever, et nous devons nous élever la voix pour qu'il entende le reste qu'il faut dont on a besoin pour qu'il puisse nous aider. D'accord. Merci à vous, monsieur, madame. Donc, Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. On va dire joyeux anniversaire à vous. Ah, vous savez que c'est mon anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. J'espère que tout se met en place de l'autre côté. Oh, est-ce que, vous savez, c'est la sagesse maintenant. Hein? Oui. Quand Dieu vous donne un an de plus, on dit, ah, il faut que je m'assieds, que je rende grâce. Et que je demande plus de bénédictions, la santé, c'est tout. Les fêtes, tout ça, bon, c'était pour un âge. Oui. Oui. C'est comme ça que je vois ça. D'accord. Oui. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci bien, monsieur. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Nacho sera donc avec nous. C'est notre artiste de la semaine. Il sera avec nous sur ce plateau dans un instant. Mais avant, nous allons passer au décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média, Claude Alofa, qui est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. On va l'installer avec la revue Hebdo signée Assiomo Kanyi Assiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la revue de presse hebdomadaire. La Nation parlait lundi de l'ultime touche à la réforme du système partisan entamée sous la férule du président Talon. En effet, la réforme du système partisan engageait à en finir avec la pléthore de partis politiques qui fourmillaient sur l'échiquier politique national et partant donner une base saine et claire au paysage politique. Le but non voilé est d'y voir évoluer de grandes formations politiques, à tout le moins des forces ayant une assise politique nationale et non plus ce que l'ancien président Nicéphore Soglo brocardait comme étant des clubs électoraux et à raison. Mardi, l'autre quotidien abordait un autre aspect pour écrire que l'élément le plus débattu concerne les parrainages où chaque candidat doit être soutenu par un nombre spécifique de députés ou de maires totalisant au moins 15% de l'ensemble des élus provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Cette disposition vise à garantir un soutien élargi dans différentes régions du pays. De plus, les alliances entre partis avant le dépôt des candidatures sont permises, mais restent sous certaines conditions. Le lendemain, Info Matin titrait que plusieurs dispositions sont corsées et l'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Nord-Sud quotidien écrivait qu'il n'est plus possible pour un élu d'agir en matière électorale hors du cadre défini par son parti politique. Au terme du nouveau code qui sera promulgué dans quelques jours, le député ou maire ne peut parrainer autre candidat à la présidentielle que celui choisi par sa formation politique. Le leader du jour notait quant à lui des innovations majeures qui consolident le système partisan, renforcent l'animation de la vie politique par des partis politiques plus forts et représentatifs au plan national, ainsi que d'autres avancées à succès. Une victoire en somme pour le président Nathan Liaké et tous les députés de ce parti qui ont tenu compte du mot d'ordre et de l'intérêt du groupe. Fraternité d'estimer que le vote intervenu consacre la volonté de l'Assemblée nationale de donner un contenu réel au renforcement des partis politiques au Bénin et, par conséquent, de promouvoir le développement équilibré du Bénin ainsi que l'unité nationale. Mais quelques heures après l'adoption du nouveau code, des voix se sont élevées
pour le décrier avec des arguments parfois dépourvus de tout fondement à l'analyse, il faut reconnaître que ce nouveau code fait des partis les vrais acteurs de la gouvernance du pays et de son développement dans un Bénin en pleine mutation et qui attire bien de regards. Il serait inopportun de voter une loi qui aille à l'encontre de la dynamique actuelle. Pour porter donc cette vocation, les partis politiques doivent avoir une envergure nationale, ajoute le journal. Et puis, le Télégramme rapportait la plateforme électorale des organisations de la société civile qui lance un message à l'action suite au vote du code électoral. Pour la plateforme, la loi adoptée le mardi 5 mars dernier est perçue comme porteuse d'exclusion, contraire à l'intérêt général et fortement néfaste pour la paix. La plateforme exhorte le chef de l'État, le président Patrice Talon, à ne pas promulguer la loi adoptée dans son état actuel. En matière de santé, la nation renseignait qu'en mettant fin aux évacuations sanitaires, parfois fantaisistes, le gouvernement a fait l'option en attendant la mise en place d'un pôle d'excellence en chirurgie cardiaque de faire recours à des missions d'intervention sur place. Le bilan de 2 ans de cette expérience confirme bien la pertinence de ce choix. Ils sont au total 102 personnes souffrant de différentes affections du cœur à avoir bénéficié d'une chirurgie cardiaque au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou entre le 29 mars 2021 et le 21 septembre 2023. Ce bilan satisfaisant au regard de l'effectif des patients et de la qualité des soins qui leur ont été dispensés vient justifier la pertinence de la suspension des évacuations sanitaires, fait observer le journal. On lisait mardi dans les colonnes de l'Économiste du Bénin que la Commission économique pour l'Afrique, conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, tenait sa 56e session du 28 février au 5 mars 2024. À l'occasion, la Commission économique pour l'Afrique a présenté son nouveau rapport sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, la part de l'Afrique dans le commerce mondial, un taux qui demeure encore faible et que la zone de libre-échange continentale africaine n'impacterait outre mesure. Le continent africain pèse peu dans le commerce mondial, selon le journal. Dans la suite, Fraternité renseignait que la station terminale de l'oléoduc est la 2e étape de la visite de la délégation de la douane du Niger en séjour au Bénin depuis le 3 mars dernier. Elle a effectué une descente sur le site de Semekraké. À l'occasion, la partie nigérienne s'est enquise des aspects techniques des installations pour l'exportation du pétrole dans le cadre de la réalisation du projet pipeline Bénin-Niger. Semekraké est prêt. En face des installations, la mission conduite par le colonel Abdoulaye Ali Doumaïga a été édifiée sur les différentes procédures pour l'acheminement du produit pétrolier destiné à l'exportation. Ainsi, une projection a été faite par les experts chinois en charge de la réalisation du joyau. Dans sa parution du vendredi, le confrère de la matinée soulignait que le ministre des Sports, Benoît Dato, a rencontré ce jeudi 7 mars 2024 au palais des congrès de Cotonou les présidents de fédérations sportives pour leur annoncer les dernières décisions prises en conseil des ministres et relatives à la communication introduite en ce qui concerne la participation des équipes nationales du Bénin aux compétitions sportives internationales majeures au titre de l'année 2024. Rappelant les grands événements sportifs à l'horizon, à savoir les Jeux africains d'Accra 2024, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, sans oublier les championnats d'Afrique et du monde où le Bénin sera en compétition. Le ministre Benoît Dato relève que l'année 2024 est spéciale et appelle à une mobilisation générale de la famille sportive à travers les différentes fédérations de manière à faire rayonner notre pays par une bonne moisson de médailles. Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire. We'll be right back.
Merci à vous, à Siongo Kanyé, à Siongo, pour cette revue de presse hebdomadaire. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, cher confrère. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format, directeur des publications du quotidien, l'informateur. Merci d'être avec nous. On commence avec la relecture du code électoral, enfin. Donc, c'est fait, les modifications ont été apportées à cette loi électorale. Et d'aucuns se demandent, est-ce que cette modification était indispensable pour les élections de 2026? Peut-être pas forcément pour les élections de 2026, mais par rapport au projet de société du président de la République qui voulait depuis rendre fort les partis politiques, c'était une étape obligatoire. Il fallait forcément commencer la mise en application de, la dernière réforme qui va préciser, bien sûr, ou qui va intensifier la puissance donc, des partis politiques dans la gestion de l'État. Pour l'élection de 2026, ce n'était pas forcément la chose à faire. Mais il ne faut pas oublier que déjà pour les dernières élections, on avait trouvé que c'était trop fort de pouvoir limiter d'aller à des pourcentages donnés. Et donc, c'est un peu comme s'il a été question de faire boire la pilule à petits coups. Et à l'étape actuelle, il faut en finir définitivement parce qu'il n'y aura plus d'autres possibilités. Et il ne faut pas attendre forcément le prochain président de la République pour le faire. C'est un programme prévu par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Et donc, c'est lui, en son temps, que ça doit être fait et son application doit démarrer par lui. Je trouve cela responsable et je trouve donc que ce soit la mouvance présidentielle et donc que c'est le chef de l'État qui a tout aiguillé dans le coin. D'accord. Et puis, un candidat à l'élection présidentielle à partir de 2026 doit pouvoir réunir au moins 28 parrains. Oui. Donc, pour être candidat. Et c'est le nombre exact des députés, des démocrates, 28. Oui, cela et veut dire. C'est également le nombre exact des députés républicains. Est-ce que c'est une avancée pour vous? Oui, c'est une manière. Je crois que c'est une manière d'éviter qu'on dise qu'on a voulu écarter un camp particulier. Parce que, on pourrait mettre ça à 29. Hein, pour... Oui, et là, c'est fini. On mettait à 29, c'est qu'il n'y aurait plus d'opposants. Alors, je crois que la mouvance, le chef de l'État en dessous, a voulu donc éviter le débat de on a voulu exclure tel camp. Parce qu'à 29, à dire 16%, 17%, c'était fini. Oui. C'était fini et l'opposition n'avait pas de place. Et donc le débat qu'on ferait actuellement, c'est pourquoi avoir voulu écarter l'opposition. Mais ceci montre, hein, une fois de plus, hein, que le chef de l'État, les réformes ne sont pas faites pour écarter l'opposition. Elles sont faites pour atteindre un but. Le projet, rendre fort les partis politiques, permettre aux partis politiques de prendre les décisions. Comme la Constitution, je crois, l'a prévu, que la gestion de la chose politique soit faite par les partis politiques. Et donc, ce serait autre chose que de ne pas y aller maintenant. 28 députés, 15%, on a laissé de côté le débat sur... on veut écarter l'opposition. On a coupé, je crois, hein, l'herbe sous le pied à l'opposition qui, certainement, l'aurait utilisé comme un élément important. Et avec cette disposition, on ne peut pas avoir plus de 3 candidats, hein, à la présidentielle. Parce c'est que... déjà sûr qu'on aura 3 candidats au plus. Hein, et si la mouvance doit rester unie, c'est qu'on aura seulement 2. On aura seulement 2 candidats. Est-ce je crois qu'on a jamais. Est-ce que c'est quand on parle de la démocratie, c'est quand même. Nous sommes pleins. Trop corsé, non? Nous sommes pleins quand il y avait 26 candidats. Mm-hmm. Nous sommes pleins quand il y en avait eu 16. On s'est pleins quand il y en avait eu 12. Alors quand il y en a 2, 3, je crois que nous trouvons que notre pays est plus uni. Et lorsque nous devons choisir entre 2 personnes, entre 3 personnes, c'est plus facile, c'est mieux. On sait de quoi nous voulons parler. Mais quand ce sont 26 personnes qui viennent, et vous savez que généralement, il y a beaucoup de plaisantins parmi eux, des gens qui savent qu'ils ne feront rien, mais qui doivent venir juste perturber. Mais avec 2, nous avons le temps et la possibilité de lire les projets de société. Nous avons la possibilité de voir exactement, leur donner le temps de dire, de passer partout et dire, voici ce que nous voulons faire. Et ceux qui travailleront avec eux,
viendront parler uniquement de deux projets de société, de trois projets de société, pour que la population puisse vraiment choisir en tenant compte des projets de société et non pas en tenant compte des biais de politique. Alors, un parti politique qui n'a peut-être pas d'élus ou qui a peut-être deux ou trois élus comme les forces coalisées pour un bien émergent peut être considéré déjà comme exclu de la course. Pas exclu, obligé de s'associer. Je crois que c'est, il faut plutôt utiliser l'expression de cette manière-là. Obligé de s'associer aux autres pour trouver quelque part, obligé d'imposer. Parce que les autres aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, ils peuvent avoir désigné des candidats, mais pour le décompte des voix, ils ont besoin d'avoir un pourcentage dans chaque circonscription électorale. Ce qui fait que là où les FCBE sont, ce parti est un peu fort, l'autre a besoin des FCBE. Et les FCBE peuvent donc négocier de l'autre côté, s'imposer et faire passer une partie au moins de son projet de société et être sûr que au moins à ce niveau-là, nous allons participer à la gouvernance. Nous sommes sûrs que nous allons modifier quelque chose tout en n'étant pas le président de la République. On peut donc y participer. Oui, c'est vrai que certains partis sont désormais exclus de l'idée de pouvoir avoir une candidature ou de pouvoir gérer directement le pouvoir. Mais ils ont la possibilité, ces partis politiques, donc, de s'associer à d'autres partis politiques. Et le Bénin, je crois, sera beaucoup plus uni, à mon avis. Alors, en quoi est-ce que, selon vous, Claude, cette modification renforce-t-elle la réforme du système partisan si un parti politique a la possibilité de porter la candidature, une candidature externe et lui accorder le parrainage? Bon, je crois assurer une candidature externe, c'est une manière, je crois, toujours de régler un problème que nous avons encore à l'heure actuelle. Les partis n'ont pas encore réussi, ou du moins on n'a pas réussi à les aider à être les seuls plus forts. D'accord? Bon, le parti politique peut se rendre compte de ce que, à l'interne, il n'a pas la force de pouvoir tenir. Mais celui qui est l'externe, le candidat externe, sait qu'il ne peut pas non plus y aller sans les partis politiques. Je crois que c'est là une certaine relation. C'est là où je vois un peu le renforcement. Hein. Parce qu'on pouvait lui permettre d'y aller sans tenir compte des partis politiques. Ça veut dire qu'on peut bénéficier de parrains sans appartenir à un parti politique. Mais on est obligé alors de négocier avec un parti politique. Je trouve que cette obligation-là, ce lien est imposé. Puisque les élections présidentes, les candidats négocient toujours avec les partis politiques. On se rappelle donc en 2016, hein, je crois, il y a les candidats qui ont négocié avec beaucoup de partis politiques à Diavon, donc à négocier avec les partis politiques. Patrice Talon était avec plus les mouvements politiques. Fondamentalement, qu'est-ce qui change dans la pratique? Dans tout cela, il faut voir seulement le fait qu'on est lié. Quelqu'un peut débarquer de nulle part, venir négocier le parrainage avec le chef de parti politique et puis bon voilà. Le parti politique généralement a la volonté et l'envie de gérer le pouvoir, mais le parti politique, il ne faut pas oublier, ce sont des militants qui sont là et qui iront donc voter. Et pour moi, lorsque cela est fait ainsi, cela règle beaucoup de problèmes. Vous voyez, quand nous, les lois sont initiées, généralement on a les réactions. De la population. Et les hommes politiques sont obligés de tenir compte de ces réactions à des moments donnés. Ouais, lorsqu'on avait dit que c'était impossible pour eux d'être candidats, on a vu les réactions. On a dit non, que c'est antidémocratique. Il faut permettre aux autres aussi. Ils ne veulent pas appartenir à un parti politique, mais ils peuvent être candidats. Alors, maintenant que cela a été soulevé tout le temps, on l'associe en permettant donc que lorsque le parti politique voit que bon, pour gagner, il a besoin donc de celui-là, qu'il fasse de lui un membre, je crois, d'une certaine manière. Pour moi, ça n'affaiblit pas. Ça peut poser des problèmes, forcément. Les lois, là, elles peuvent être corrigées. Mais on ne peut pas tout couper en même temps. Dès que c'est fait, c'est aussi brutal. On a l'impression qu'on est allé trop vite, on a voulu écarter tel. Et voyez-vous un peu la limite des 28 députés que les autres. C'est la même chose. L'expérience avec l'élection des maires, la dernière fois, la loi a été votée, on était obligé de revenir
à la dernière minute modifier certaines choses avant de pouvoir évoluer dans le processus de désignation des maires. Ça fait partie quand même des anomalies qu'on retrouve dans nos lois électorales. Ça fait partie des erreurs que nous commettons et que l'on corrige quand on a la possibilité de corriger. Et l'autre nouveauté, c'est le seuil de représentativité ou bien d'éligibilité, donc oui. De l'attribution de sièges aux partis politiques. On passe 20%. Désormais de 10% sur le plan national, donc à 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. À ce niveau, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu corsé? On les oblige à se mettre ensemble. On les oblige. Vous savez, les partis étaient trop liés à des villages ou des quartiers de ville. Ils avaient juste un nombre parce qu'il est bien connu à tel milieu. On a l'impression que lui, il va se faire élire parce que l'autre est connu là-bas et c'est lui qui va se faire élire. D'accord, si vous êtes connu et que vous avez des possibilités de dépasser les 20%, vous vous associez. Et donc, 20% par-ci, par-là, et vous êtes sûr que vous devenez un peu fort et que vous pouvez avoir la voix décomptée. Pour moi, voyez-vous, les décisions et les lois politiques sont toujours politiques. Mm-hmm. Et elles sont politiciennes, d'ailleurs. Elles font des calculs. On ne peut pas reprocher à des acteurs politiques de tailler des lois politiques, surtout quand il s'agit d'élections. Nous sommes que là, nous sommes au niveau des élections. Oui. Donc, la majorité, ceux qui sont les plus nombreux, calculeront par rapport à leurs intérêts, forcément parce que nous sommes en politique. Et c'est du code électoral on parle. Nous ne parlons pas du code de développement de la nation, nous parlons du code électoral. Et donc, de la politique. Et donc, les hommes politiques feront leurs calculs. Nous, dehors ici, nous allons donc mettre un peu plus d'objectivité. C'est vrai, mais la politique n'est pas objectif. D'accord. De l'autre côté, il y a les juristes. Il y a un certain nombre de juristes qui ont introduit un recours à la Cour pour demander qu'on casse donc cette loi. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre désormais? Non, je crois que c'est normal. Toutes les lois qu'on votera, il y aura toujours des recours. Mm-hmm. Et pour moi, je ne vois pas tellement de raisons pour que la loi soit cassée. Même si elle était cassée, ce serait peut-être pour des vices de forme. Ce sera vite corrigé et puis on va y aller. Les juristes ont le droit donc de dire ce qu'ils ont à dire, de montrer qu'ils lisent et qu'ils voient qu'il y a des erreurs. Les hommes politiques par cela doivent associer beaucoup de juristes lorsqu'il est question d'élaborer la loi. Il ne faut pas tenir compte seulement de leurs intérêts. Oui, même si ça est d'un code électoral. Mais il faut associer les juristes, ce sont les faiseurs des lois. Il faut les associer pour qu'il y ait des erreurs de vice de forme soient de moins en moins perceptibles et donc que les recours deviennent sur la. Mais pour moi, à l'étape actuelle, le projet passera de cette manière-là. On va corriger des choses, mais je ne vois pas la possibilité de rejeter ce plan savamment orchestré par la mouvance présidentielle. Et avant la relecture du code électoral, il y a d'abord l'échec donc, de la révision de la Constitution. Parmi ceux qui ont voté contre, il y a un certain nombre donc, de députés de la majorité parlementaire. Dans la foulée, le chef de l'État a rencontré quelques-uns. Quelle lecture faites-vous de ces rencontres? J'y vois juste des jeux politiques, à mon avis. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a eu dislocation de la mouvance présidentielle. Pas du tout, bien au contraire. D'ailleurs, vous avez dit tout juste après, ils se sont retrouvés au complet pour voter le code électoral. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de calculs politiques. Il ne fallait pas permettre, parce que l'opposition avait été claire, nous ne voterons pas pour. Et donc, s'il y avait échec de la révision de la Constitution, pour que l'opposition ne prenne pas à elle seule les recettes politiques de cet échec, voilà pourquoi je crois qu'ils se sont associés, que le chef de l'État les rencontre. C'est peut-être pour se rassurer que, bon, on est toujours dans le plan qui a été concocté. Alors, Patrice Talon qui ne veut pas de la révision de la Constitution. Et il n'a pas eu la révision de la Constitution, donc c'est ce qu'il ne veut pas. Et quand les députés de la majorité parlementaire votent contre, c'est en principe sa volonté qui a été faite, au Parlement. Mais est-ce qu'il a des raisons de la rencontrer pour la mise au point? Mise au point, c'est nous qui le disons du dehors. Mise au point, c'est aussi pour se rassurer que c'est vraiment ce que nous avions dit que vous avez fait et que ce ne sont pas les autres. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ce pourquoi on a dit, je crois que c'est ce qu'on va appeler mise au point. Mm-hmm. Du dehors, il n'y a pas et je ne vois pas du tout cette mouvance-là. Ils n'ont pas intérêt dans les calculs politiques. Mm-hmm. Aucun d'eux n'a intérêt à ce moment-là précis à se détacher de Patrice Talon. Ce n'est pas possible pour eux. Ils n'y gagneront rien. Bien au contraire, ils seront perdants.
Voyez-vous un peu. Tel que la chose se retrouve, je ne suis même pas sûr que l'opposition ait besoin de ces députés-là actuellement par rapport au jeu politique, au calcul politique. Donc, quiconque joue cavalier seul là actuellement, ça veut dire qu'il est sûr qu'il ne sera plus sur une liste électorale pour les prochaines élections. C'est de gros risques. D'accord. Et donc, pour moi, il y avait juste à faire du spectacle politique. Un dernier sujet très rapidement, en quelques mots. À la mairie de Bantin, nous avons désormais une nouvelle secrétaire exécutive après donc le décès de l'autre dame, Marie Roméo. Défi énorme pour la nouvelle. Défi énorme, mais je crois qu'elle va aussi bénéficier du fait que... Est-ce qu'elle vient dans un environnement un peu compliqué? Non, l'environnement ne doit plus être normalement compliqué. On a eu le temps, donc chacun à son niveau. Ceux qui avaient été les acteurs des problèmes ont compris que nous ne voulons pas de ces problèmes-là. Mm-hmm. Et que ce qu'ils font ne fera pas reculer quant à la mise en œuvre de la réforme. La réforme sera mise en œuvre. Comme on l'avait déjà dit sur ce plateau, c'est la preuve même que c'est cette réforme-là qu'il faut. Et donc, l'arrivée de la nouvelle, je la trouve très courageuse d'accepter d'être à ce niveau-là, et je crois que ce courage-là sera payé par ce que nous allons voir sur le terrain bientôt. Les acteurs politiques doivent comprendre par là que celle qui vient d'arriver doit être respectée et on doit la laisser travailler, parce que c'est mauvais que le nom soit collé, qu'un nom de communes assassinant les SE ou contribuant à la mort des SE, soit affiché ou soit collé. On ne dit pas que dans la commune, on l'a tué, ça pouvait être autre chose. Il y a une enquête qui est en cours. Donc, ne prenons pas les décisions. C'est une manière de dire que ce ne serait pas bien que ce soit répétitif et que cela soit collé à la commune. D'accord. Donc, pour moi, elle est courageuse d'accepter le poste et les hommes politiques sont désormais mis devant leurs responsabilités. Ils doivent l'aider à réussir et à réussir correctement. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous êtes l'un de nos analystes sur le plateau du Grand Forum. Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est toujours une joie. À nous accompagner dans cet exercice. C'est toujours une joie de partager. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine et c'est le dernier rendez-vous du Grand Format de ce dimanche. C'est gagné. Je croquerai la pomme si tu deviens ma Ève. Tes copines m'ont validé. On dit que t'es folle, j'aime ça bébé. Et plusieurs d'entre eux ont salivé. Mais tu m'as validé, tu m'as validé. Tes copines m'ont validé. On dit que t'es folle, j'aime ça bébé. J'aime ça, j'adore ça. Validé morceau, signé Naxo, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du Grand Format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur, comment vous allez? Comment vous portez? Ça va super bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau du Grand Format. Pareil. Alors Naxo, c'est qui? Naxo, à l'état civil, je m'appelle Ayouan Asgon et passionné de la musique.
très tôt. Et de football également. Mais la musique a pris le dessus. Donc après les études, après avoir obtenu mon master, j'ai décidé de me lancer dedans. Tout simplement. À partir de quel moment vous avez opéré le choix entre le football et la musique ? En 2017. Oui, en 2017. Qu'est-ce qui a déterminé le choix ? Le choix, c'est parce que... Parce que vous n'avez pas envie de devenir comme Cristiano. Oui, c'est un rêve de gamin que je voulais vraiment, mais à un âge donné, je me suis dit, bon, c'était plus possible. J'étais réaliste, donc j'ai préféré aller directement dans la musique parce que j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup lire. Donc j'ai remarqué que je pouvais chanter ce que j'écrivais, donc je suis parti pour la musique aussi. Et justement, dans ce choix, quelle a été l'influence de cette légende de la musique béninoise, Angélique Kidjo, sur le choix, oui, justement. C'est parce que mes parents écoutaient beaucoup d'Angélique Kidjo à la maison, oui, quand j'étais petit, et ça m'a bercé pendant toute mon enfance. Donc du coup j'ai suivi, on va dire, j'ai idolâtré Madame Angélique Kidjo, oui, et au final on va dire que je suis en train de... Est-ce qu'il y avait un morceau particulier d'Angélique Kidjo? Ça fait longtemps, hein. De ces vieilles chansons, je me rappelle un peu... Voilà, c'était ces chansons-là que j'écoutais souvent parce que papa écoutait très souvent ça avec les CD qu'on vendait et tout. Donc c'est ça qui a bercé mon enfance. Et puis l'expérience dans le collège également, vous étiez sollicité, exactement, sur les podiums et, oui, et tout ça. Comment est-ce qu'on vit ces moments? On va dire, vous étiez à l'étape encore embryonnaire, hein, de votre talent musical. J'étais dans un groupe, j'étais à la base rappeur, mais au Bénin, quand tu es rappeur, c'est pas très lucratif, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes dans la faux pop. Je suis dans la chanson, je chante maintenant, voilà. Donc c'est vrai que mes premières scènes, j'ai fait « waouh, c'est comme ça ». Donc c'est la chaleur qu'on m'a donnée quand je suis monté sur scène. C'est ça qui m'a permis de continuer dans le showbiz, en fait. Donc c'est surtout pour ça que je fais la musique, on va dire. La chaleur qu'on me redonne en retour, tout simplement. Quel était le morceau que vous repreniez souvent sur la podium? Souvent, c'était les morceaux que j'écrivais moi-même. Okay, d'accord. Et quand je commençais... Le public se mettait à crier, je dis « ah, donc c'est pas mal, donc c'est pas mal ». Donc du coup, il faut continuer comme ça. Et comment vous arrivez à concilier, on va dire, les études? Oui. Puisque les parents étaient très, très rigoureux. Exactement, à la matière, exactement. Et également la musique. Exactement. Est-ce que vous cachiez pour aller... Non, je me cachais pas. Ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas pour. Parce que mes parents, c'est des vrais... Non, mais ils vont finir par donner leur bénédiction et puis on va... Oui, oui, au final, ils ont donné leur bénédiction. Oui, on va y arriver. Maintenant, à l'université, mm-hmm, ce groupe que vous avez créé... Oui. Ce groupe de rap. Oui, effectivement. À l'université, j'ai créé un groupe de rap, Riser. Et on était bien partis, mais au final, on s'est rendu compte que ce serait un peu compliqué de s'affirmer. Parce que le showbiz au Bénin, c'est un peu compliqué, en fait. Donc chacun a pris son chemin. Donc moi, j'ai décidé de continuer tout seul et j'ai changé de vocation. Je suis devenu chanteur. Devina Nice, c'est comme ça qu'on vous appelle. Exactement, Devina Nice, vous avez les infos. Et d'où venait ce nom d'artiste? Franchement, c'est un nom que j'ai choisi, on va pas dire au hasard. Mm-hmm. Nice, c'est, en anglais, c'est quelqu'un de bien, c'est une bonne chose. Donc Devi, c'est... On va dire que c'est un nom que qu'on m'a collé à la peau comme ça quand j'étais à l'université et j'ai concilié les deux. Pour et faire pourquoi vous avez changé de nom? J'ai changé de nom parce que je suis rentré professionnellement dans la musique et à un moment, il faut prendre ça de manière professionnelle. Donc on m'appelle à la maison, mes parents m'appellent Nasso. Donc j'ai décidé d'être dans ma musique comme si j'étais à la maison, tout simplement. Et pendant combien de temps a fonctionné ce groupe de rap à l'université? Ça a fonctionné pendant au moins 3 ans. 3 ans. 3 ans, on faisait des scènes, donc on a même fait un album qui n'est pas sorti, on faisait beaucoup de scènes. Mais au final, chacun a pris son chemin parce qu'il fallait penser à son avenir, chacun doit passer à son avenir, donc voilà. D'accord. Oui. Et la rencontre avec ce jeune ingénieur de son? Busy Brain. Voilà. Alors, avec Busy Brain, ça s'est fait naturellement. C'est quelqu'un qui me l'a présenté. Et quand je suis allé chez lui, il m'a dit « fais ce morceau ». Et j'ai chanté devant lui, il m'a dit « je te signe ». J'ai dit « oh ».
directement. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah, parce que j'ai le talent, j'ai dit, ok, super. Et depuis ce jour, on a commencé à bosser jour et nuit, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a maintenu la relation. Lui et moi, on est comme des frères aujourd'hui, tout simplement. Et puis, en dehors de lui, il y a un autre, Morgan. Oui, Morgan Wetinou, c'était mon manager, exactement. Oui. Est-ce que c'est grâce à lui que vous avez les bénédictions? Oui. Oui, j'avoue que c'était. Alors, il est venu voir mes parents, il est venu voir ma grande sœur. Ah oui, il est courageux. Il est venu voir mes parents, ma grande sœur. Il lui a parlé, il lui a dit que j'avais du talent, donc qu'il voulait m'accompagner dans ce milieu pour m'aider à grandir. Mes parents l'ont écouté et ils m'ont dit clairement. Ça, c'est après le bac, hein? Oui, ça, c'est après le bac. Et ils m'ont dit clairement, monsieur, vous finissez d'abord vos études. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai eu mon master en finance. Et par la suite, j'ai décidé, j'ai fait quelques jobs. Et après, je me suis dit, la musique ne lâchait pas. Donc, je me suis dit, bon, écoute, si tu ne fonces pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a derrière. Parce que personne ne va décider pour toi. Donc, j'ai décidé de foncer tout simplement. Ils m'ont donné la bénédiction. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont fiers de toi? Oui, ils sont très, très fiers. La dernière fois, j'étais à la radio, j'ai entendu la voix de ma mère. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. D'accord. Le morceau Bye Bye, oui, est sorti en 2017. C'était le premier? Le premier morceau que je sors de manière professionnelle, c'était Bye Bye en 2017. Bye Bye, ça parlait en fait d'une relation amoureuse. Il y a des disputes dans tout couple, il y a des disputes, mais bon, il faut faire la part des choses, il faut avoir un point où chacun doit se relancer pour se dire, bon, écoute, on met la balle à terre, on repart à nouveau. Mais quand ça veut pas écouter, moi, je préfère dire bye bye. Donc, c'est ce que je voulais véhiculer dans mon message, c'est-à-dire que si on ne peut pas se comprendre dans le couple, si on ne peut pas mettre la balle à terre et avancer ensemble, c'est mieux qu'on se dise au revoir que de continuer, parce que c'est mieux d'être seul que mal accompagné, quoi. Et de bye bye jusqu'à faut se couper. Oui. Vous avez beaucoup chanté amour. Oui. Pourquoi? J'aime beaucoup chanter l'amour parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc, beaucoup de personnes se retrouvent à travers les chansons. On chante l'amour. Je chante aussi l'espoir, mais je chante beaucoup plus l'amour. D'accord. On va marquer une pause. On va suivre une petite séquence du morceau Faut secouer. Oui, d'accord. Okay. Et puis on revient sur ce plateau pour la suite de notre entretien. Bye bye. Allez, bon, bye. Pour chasser les démons, il faut secouer. Bye bye. Bye bye. Un joli garçon. Quel est meilleur? Ah, bye bye. Bye bye. Ah, joli garçon, que le meilleur. Du lundi au lundi, du 1er au 30, je suis toujours sur mon 31. Tu fais trop la malade, t'as claqué ton salaire, mais pour elle encore c'est rien. Les tontons sont prisons, les tontines sont prisantes, ça y est, on casse les reins. Détecter les petites et petit à petit, entrer dans les va-et-vient. Ah, maman, yeah. Pour chasser les démons, il faut secouer. Ah, maman, yeah. Un joli garçon, quel est meilleur? Ah, maman, babaye. Un joli garçon, quel est meilleur? Zegoué, mon ami Zegoué. Oh, Zegoué, mon ami Zegoué. Faut secouer, secouer. Oui. Morceau signé Naxo, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, qu'est-ce qu'on doit secouer? Alors, ce son, je l'ai sorti surtout parce que je chantais beaucoup l'amour et on m'a dit, chante un son qui fait bouger, parce que dans le temps, ça bougeait beaucoup. Faut secouer, c'est pour dire en fait, à un moment, faut lâcher prise. On est tout le temps serré au bureau, tout le temps. À un moment, il faut lâcher prise, il faut aller prendre un petit verre avec ses amis. Il faut aller secouer dehors. Essayer de lâcher prise, voilà, de se déstresser. En fait, c'est ça. Il faut secouer, c'est se déstresser, tout simplement. Donc, j'ai senti ce son et ça a pas mal marché quand même. Mais bon, ça a quand même de succès. Oui, j'ai... tel que vous l'espérez? Non, pas comme je l'espérais. Mais quand même, il y a eu beaucoup de retours positifs. Les gens qui m'ont dit oui, c'était très bien, t'as changé de domaine, de prédilection, de domaine de musique. J'ai dit ouais, j'ai voulu essayer autre chose.
Et voilà. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit, il y a forcément des avis aussi négatifs. Hein. Donc ils m'ont simplement dit, continue à chanter l'amour, c'est beaucoup mieux pour toi, ça c'est beaucoup plus ton domaine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis vous évoluez dans l'afro-pop, on le disait, l'afro-R&B, puis la world music. Mm-hmm. Comment arriver à faire, on va dire, ce mélange? Moi, je suis quelqu'un, je me limite pas. Parce qu'il y a beaucoup. La musique évolue. Donc, il faut s'adapter à l'évolution de la musique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je concilie beaucoup de, on va dire, de styles de musique pour permettre, en fait, à moi de créer ma propre musique à moi, tout simplement. C'est la raison pour laquelle je vais un peu dans tous les sens pour pouvoir créer un tout. Tout simplement. Et puis sur le titre Validé, oui. Vous parlez de la femme avec un mec qui se fait, on va dire, valider par une autre. Alors quelle est l'histoire de ce morceau Validé? L'histoire de ce morceau, c'est simplement une vraie relation amoureuse d'un homme et d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement parce que je voulais montrer cette partie-là où l'homme a été validé par la femme parce que celle-ci l'aime en retour. C'est un amour partagé. Malgré les prétendants. Hein. Merci, malgré les prétendants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui la cherchaient, mais c'est toi qu'elle a choisi. Donc profite de l'instant-là. Il faut l'aimer, aimez-vous et avancez ensemble, tout simplement. D'accord. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer par ce et son. Et puis Mami Wata qui vante la beauté, on va dire, de la femme. Nous sommes dans le mois de mars. Et pour vous, la femme est une divinité. C'est ça. Pourquoi? Vous savez, moi, j'aime beaucoup ma maman. C'est une femme que je respecte beaucoup. Et c'est une très belle femme aussi. Elle nous suit en ce moment. Oui, elle nous suit. D'ailleurs, salut maman. Salut maman, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais passer à la maison tout à l'heure. Donc, en fait, je respecte beaucoup la femme. Donc, la femme, moi, je l'aimais au-dessus des hommes, personnellement, moi. Parce que c'est elle qui nous donne la vie. C'est elle, si elle veut foutre la merde dans ta vie, elle va le faire. Et elles sont capables de t'aimer et en même temps de te détester, mais franchement avec la même vigueur, voilà, intensité. Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, je vais chanter pour les femmes, pour leur montrer qu'aujourd'hui, moi, je les vénère en tant que divinité, une belle créature, tout simplement. Et je ne voulais pas aller chercher en Europe des divinités, donc j'ai cherché en Afrique, un mieux attaque qui se rapprochait beaucoup plus. De la beauté féminine, tout simplement. C'est l'hymne de mois de mars. Hein. En tout cas. Sans doute que vous avez de bons retours hein, de la part de cette femme. Oui, franchement. Elles vous ont dit quoi? Elles m'ont simplement dit que c'était un très, très beau son, une très belle mélodie, qu'elles aiment beaucoup, elles écoutent ça tout le temps. Et franchement, j'ai eu de très, très bons retours par rapport à mon Miata. Et puis, Naxo, on va dire, a été davantage révélé à son public grâce à ce feat. Avec Axel. Que vous avez réalisé. Le titre, c'est Lili, Lala, Lolo, Lili. Tout c'est quoi ce titre? Bon. Ça va péter. Ça va péter, tout simplement. Oui. C'est le titre en fait, qu'on a donné finalement. Mais au début, c'était le Lala, Lolo, Lili. Oui. Mais les gens ont tellement écouté, ça va péter. Et qu'ils ont simplement dit, bon, écoute, on va nommer ça va péter. Oui. Donc au final, voilà. Alors, cette collaboration, comment est-elle venue? Alors, très, très simplement, parce que Axel, c'est mon frère. C'est un frère à moi. Et on avait déjà fait une chanson ensemble qui n'a pas bien fonctionné, c'était du rap. Donc on s'est revu, on s'est dit bon écoute, on va refaire un truc, mais en dehors de ce qu'on avait fait auparavant. Donc on écoutait des prods, et puis là on est tombé sur une prod qui nous a fait tic. Et la première des choses qu'on a trouvé c'était le refrain. Donc après avoir trouvé le refrain, on est allé directement au studio le lendemain. Et quand on l'a posé, on était avec les amis, on s'est regardé, on s'est dit ouais on tient le truc. Et c'est parti. C'est parti. Alors on va suivre juste un extrait donc du morceau et puis on se retrouve dans quelques secondes. Je vis en cachant mon visage. Elle a envie que j'arrache son tissage. Tout doux, j'aime trop ses genoux. Tout doux, je la préfère à genoux. Je lui demande ce qu'elle aime. Je lui demande où je la mets, elle me dit la la la. Elle me dit touche mes lololo. Et où tu veux qu'on le fasse dans le lit. Bébé couche-toi. Lolo lili.
réponse à elle, c'est ça va. Je me touche les loulous. C'est pas normal. Elle aime les toco, toco, ouais. Toco, toco, ouais. Elle aime les toco, toco, ouais. Et j'aime ça, yeah. Toulou, toulou, j'aime trop ses jeux. Lala Lolo Lili, ce titre donc fruit de la collaboration entre Naxo et Axel Merlet. Alors c'est un morceau qui a connu sans doute de succès, des millions de vues sur TikTok et YouTube. Alors comment est-ce que l'artiste vit le succès de son travail? Bon, vous savez, c'est juste après que c'est pété sur les réseaux que beaucoup de personnes ont commencé par me suivre sur les réseaux et franchement j'étais étonné par les retours. Ah oui, tu chantes bien, ah, très belles paroles. Et les gens chantaient facilement mon couplet. Et je me suis rendu compte que bon, ok, d'accord, donc ça a vraiment marché. Donc le retour était positif, parce que par la suite, j'ai sorti par la suite aussi deux autres projets qui ont été bien accueillis, mais Mami Wata, Yo-Yo. Et bien sûr, c'est par la suite que c'est grâce à tout ça que j'ai pu signer justement. Et justement, c'est grâce à ce morceau que vous avez remporté le deuxième prix au festival promo de la destination Bénin dans la catégorie meilleure collaboration. Cela vous satisfait? Non, parce que je voulais la première place. Je voulais la première place. Mais comme je dis toujours, faut travailler pour aller chercher ce que tu mérites. Donc, moi, je travaille pour ça. Donc, cette année ou l'année prochaine, écoutez. D'accord. Et puis depuis décembre 2023, vous avez signé un contrat de production avec le label panafricain Dynasty Music. Oui, alors la collaboration, comment ça se passe? Ça se passe très très bien, parce que je ne m'y attendais pas. C'est apparemment le producteur m'avait remarqué depuis. C'est pas le biais d'un ami qu'on a pu se rencontrer. Et on avait la même vision. On partageait également le même objectif. Et quand on a discuté, quand on a parlé de projet, comment faire évoluer ma carrière, tout était carré, on allait dans le même sens. Je n'ai même pas hésité à signer le contrat. Donc je suis content d'être à Dynasty. Alors quels sont aujourd'hui les projets, les ambitions que vous avez justement avec cette maison de production? Alors avec cette maison de production, on a beaucoup de projets déjà validés, qui est sorti, qui est déjà sur toutes les plateformes, YouTube, sur les plateformes digitales également, en streaming. Et bientôt, un autre son qui va sortir. Et on a beaucoup de collaborations avec de très très bons artistes également qui vont bientôt sortir. Donc soyez seulement attentifs. D'accord. En tout cas, nous vous suivons de très près. Très bien. On va finir. Est-ce qu'on peut reprendre Ça va péter? Il n'y a pas de souci. On y va. Alors, je lui demande ce qu'elle aime. Elle me dit la le. Hey. Je lui demande où je la mets, elle me dit la la la, yeah. Elle me dit touche-moi, touche-moi, touche mes lololo. Et où tu veux qu'on le fasse, dans le li li li. Baby touche-moi, le la la, lolo li li li. Voilà. Naxo, en direct sur le plateau du Grand Format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par merci ici. À vous. On va dire bonne chance à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de courage merci également. Beaucoup, merci et très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 10 mars 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Akpassi, c'est à Bantay. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Elle a envie que j'arrache son tissage. Tout doux, tout doux. J'aime trop ses genoux. Tout doux, tout doux. Je la préfère à genoux. Je lui demande ce qu'elle aime. Elle me dit la le. Je lui demande où je la mets. Elle me dit la la la. Elle me dit touche-moi, touche-moi, touche mes lololo. Fasse dans le lit, lit, lit. Bébé couche-toi. Le la la, lolo li li li. Le la la, lolo li li li. Le la la, lolo li li li. Le la la, lolo li li.
elle, c'est sauvage, me touche les loulous. C'est pas normal. Elle aime les toco, toco, ouin, toco, toco, ouin. Elle aime les toco, toco, ouin. Et j'aime ça, yeah. Tout doux, tout doux. J'aime trop ses genoux. Tout doux, je la préfère à genoux. Ouin, je la préfère. Je lui demande ce qu'elle aime, elle me dit la le le le. Je lui demande ma main, elle me dit la la la. Yeah. Elle me dit touche-moi, touche-moi, touche-moi le le le. Oh. Et où tu veux qu'on le fasse dans le lit. Préfère à genoux. Tout doux, j'aime trop ses genoux. Tout doux, je la préfère à genoux. Ah, je la préfère à genoux. Peut-être.